Comment déterminer un nombre de cellules ou un nombre de caractères? Comment combiner une formule NB et des conditions? Dans cette vidéo, nous allons parler des formules NB, NBVal, NBVide, NBSI, NBSIANS et NBCAR. Bienvenue sur la chaîne La Dynamique des Tables. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche afin d'être averti à chaque nouvelle vidéo. Nous souhaitons connaître le nombre de cellules contenant un nombre. Nous utilisons la formule NB, soit en sélectionnant une zone, soit en sélectionnant les cellules qui nous intéressent. Si nous ajoutons un espace ou une chaîne de caractères dans une cellule, ces cellules ne seront pas comptabilisées car la formule NB ne reconnaît que les nombres. Les dates qui sont stockées sous forme de nombres dans les tableurs seront reconnues par la formule NB. La formule NBVal fonctionne comme la formule NB, mais reconnaît les espaces et les chaînes de caractères. La formule NBVide est complémentaire à la formule NBVal, ce qui signifie que dans une zone de 10 cellules, la somme des valeurs obtenues grâce aux formules NBVide et NBVal sera égale à 10. Contrairement à la formule NBVal, NBVide s'écrit avec un point entre NB et vide. La formule NBSI permet d'ajouter une condition. Notre critère peut être un nombre ou une chaîne de caractères. Nous écrivons la formule égale NB.SI, parenthèse, notre plage, point virgule, notre critère, parenthèse. La formule NB.SI.ANS permet de déterminer un nombre d'éléments selon plusieurs conditions. Ici, nous allons chercher le nombre de lignes dont le premier critère sera lundi et le second critère sera égal à 1. Nous écrivons égal NB.SI.ANS, parenthèse, la plage du premier critère, point virgule, notre premier critère, point virgule, la plage du second critère, point virgule, notre second critère. Fermez la parenthèse. Nous pourrions ajouter des critères supplémentaires à notre formule et ainsi avoir une formule à 4, 5 critères ou même plus. La formule NBCAR est différente des précédentes formules, car cette fois-ci nous ne cherchons pas à déterminer un nombre de cellules, mais à compter le nombre de caractères contenus dans une cellule. Cette formule s'écrira égal NBCAR, notre cellule entre parenthèses. Nous pouvons également écrire directement dans notre formule égal NBCAR, 1, 2, 3, 4 entre parenthèses. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as appréciée, je t'invite à commenter, liker, partager. La vidéo sur les formules SOMSI et SOMSIANS devrait également te plaire. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.